pouvez un peu expliquer au public ce qu'est le psychobilly? Ça a une base rockabilly, mais avec des influences punk dedans, donc c'est un côté plus péchu que rockabilly traditionnel, on va dire. L'imagerie psychobilly, en fait, c'est tout ce qui traite de la mort, de films d'horreur, beaucoup de thèmes comme ça, des tout années ça. 50. C'est fort inspiré des années 50 du rockabilly. Donc... Ouais, c'est un peu les monstres en carton-pâte et tout ça. À la base, c'est pas quelque chose de méchant, c'est plus un délire. On est là pour tous faire la fête ensemble. Un peu dégainé, quoi. C'est le côté punk qui s'est greffé sur le rockabilly. On vient jouer pour le plaisir de jouer. On veut pas que ça devienne un boulot, on veut pas aller jouer comme si on allait à l'usine. Quoi. Donc, on a un boulot pour vivre et ça reste un plaisir qu'on essaie de partager. Ça, c'est important. Vous pensez quoi du festival? Les faces, bon, pour l'instant, c'est bon accueil, sympathique, première édition, très bon accueil. On verra. J'espère pour vous que ça dure, quoi. Si vous en fassiez derrière, quoi, c'est surtout ça, quoi. Ça fait combien de temps que vous tournez, que vous êtes formé? Ça fait 15 ans, cette année. 15 ans. Il n'y a pas longtemps, là, ou bientôt? Cette année. Cette année, c'est au mois de février. C'est la fin de l'année. C'est quoi? C'est les noces de... Les noces de bière.